我 Assalamualaikum Juste euh, un petit coucou pour faire un retour en arrière Pour dire que des années se sont écoulées L'eau est passée sur euh, le pont Alors euh, nous avons vécu, on était tout petits à l'époque Quand on voyait les grands frères, euh, ils appelaient ça boum Une soirée boum, avec les palmiers là. Et puis, merci beaucoup pour vos bénédictions Alors, ils avaient une technique même à l'école, on faisait ça, les balles de fin d'année, quand ils mettent les les, 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 feuilles de, de palmier, là, vous savez, non, c'est ça qu'on prenait comme, on faisait ça, on utilisait ça comme clôture, les... <laughs> c'est pas vrai. Et puis, les gens versaient l'huile de, l'huile de moteur, ils vont dans les garages, et puis, ils versent l'huile de moteur dessus. T'as, tu viens, tu perces là, si tu as percé, tu sens, tu regardes ta chemise blanche, ou bien ce que tu as porté, tout est gâté. Il y a eu des moteurs partout. Donc, tu peux plus entrer, tomber et faire demi-tour. Ça, c'était avant, avant, avant. Était... <laughs> je me rappelle souvent. Donc, j'ai plein de rétros comme ça. Souvent, je, je reste à la maison et puis j'écoute avec euh, mon fils, Dao Bon, lui, euh, ses autres frères-là sont pas ici. Ils sont aux États-Unis et puis en Côte d'Ivoire. Donc, euh, il est seul. Alors, donc, souvent, quand on est ensemble, ce qui fait que je suis toujours avec lui. Hein. Hein, le temps que Dieu le bénisse avec un petit frère. Donc euh, on, est, on est on est ensemble et puis on joue les anciens morceaux, les rétros là. Il dit papa c'est quoi ça Il dit ça là. <laughs> Ton papa même connaissait, oui. avant de se cacher quand dents pour regarder les frère. Ouf, il y a plein. Salam alaikum rahmatullahi taala obrakatu, Gloire à Allah, bénis soit Allah, bénis soit l'Éternel, le Seigneur notre Dieu. Nous ne pouvons que bénir Allah ta'ala. Dieu est en train de nous bénir, Dieu est en train d'ouvrir beaucoup de portes aujourd'hui. Avant de continuer, nous allons commencer une autre nouvelle aventure avec euh, euh, le mouvement citoyen de cette grande dame euh, Batuli Miang, je crois. On a été contacté et aujourd'hui on a on a signé un accord de principe de collaboration pour m'en euh, donner plus de visibilité aux actions sociales qu'elle pose à travers le Mali et son mouvement Ambico donc c'est avec ce mouvement là que nous allons commencer une nouvelle aventure Nyang. donc euh, évidemment la petite en mangeant en faisant bien ce que nous avons à faire il y a de fortes chances que d'autres opportunités par la grâce de Dieu puissent souffrir à nous alors vous allez de, vous allez savoir tout sur le mouvement citoyen Ambico, les actions sociales que ce grand mouvement qui est en train de faire beaucoup pour soutenir la transition, nous allons parler en long et en large de ce qu'elle fait, ces actions qui sont bénéfiques pour les citoyens, qui sont bénéfiques pour la santé, qui sont bénéfiques pour les politiques, qui sont bénéfiques même pour la prise de conscience collective et morale, n'est-ce pas, dans nos différentes localités où ils sont passés pour poser vraiment des actions concrètes, des aides qu'elle apporte. Nous allons apporter notre modeste petite contribution pour une plus grande visibilité, une plus grande compréhension de ce qu'elle fait. Donc, aujourd'hui, on a été appréciés. C'est grâce à Ben Le Cerveau, d'ailleurs, qui a, qui, c'est Ben qui m'a appelé pour me dire que je suis contacté. Donc, aujourd'hui, on a pu discuter. Et il y a un accord de principe de collaboration, donc je tenais à vous informer, vous qui êtes avec nous, vous qui le soutenez. Mais on va le là, vous connaissez qu'il c'est un homme d'ambition. Donc quand il rentre quelque part, il apporte toujours sa modeste petite contribution pour que le mouvement du corps, non seulement ait une plus grande visibilité. Comment, tu n'as pas le son? Zombré, tu veux que je te chasse? Élise, Zombré, ou bien quoi? Tu dis le son encore, je te chasse. Tu n'es pas le seul. Tu parles de son encore, je te chasse. Voilà. Je vous ai toujours dit, regardez vos téléphones avant de venir, monsieur. Quand vous cachez vos téléphones à vos femmes ou à vos copines, là, vous coupez le volume. Vous ne voulez pas que vos femmes ou mes copines sachent que vous allez recevoir des appels. Quand vous venez sur, vous direz déjà, t'es le son, le son, alors que tu as coupé le son parce que tu voulais pas que quelqu'un sache que tu recevais les appels. Faut pas enfin, te dévoiler ici, Donc, hein. Donc, faut rester dans ton petit coin. Tu connais, si tu connais Keita, là, tu vas pas venir dire ces genre de choses ici, là. Donc, faut rester dans ton petit coin. Alhamdulillah. Bénis soit Allah. Gloire à Allah. Bénis soit Allah. Gloire à l'éternel. Beaucoup de gens aussi nous appellent par rapport, au euh, aux produits que nous avons commencé à présenter, le Damsa. Alors, souvent, je ris beaucoup quand les gens nous disent, il faut parler, il faut nous parler de ton produit. Il faut nous parler de ton produit. Alors vous voyez, quand vous allez chez le médecin, est-ce que vous dites au médecin, il faut me parler de ce que tu peux faire Non, vous allez, vous dites au médecin ce que vous avez, et puis le médecin vous dit ce dont vous avez besoin. Mais vous allez voir un médecin, un pharmacien ou un docteur, il faut nous dit, il faut nous parler de toi, il faut nous parler de ta spécialité. Depuis quand vous avez vu ça C'est ça l'africain. Malgré le combat qu'on mène pour une prise de conscience collective, quand ils vont à l'hôpital, ce qu'ils font pas parce que c'est nous, ils viennent. Quand ils m'appellent comme ça, ils disent, mon ami, quand tu, la première question que je leur pose, ils disent, quand tu vas chez le médecin, là, c'est la question que tu poses. Non, la question que tu poses pas à ton médecin ne vient pas me poser les mêmes questions. Parce que je suis en mesure de faire mieux que ton médecin. Je suis en mesure de te donner plus que ton médecin. Parce que si ton médecin te donnait satisfaction, tu n'allais jamais me contacter. Est-ce que vous, vous, vous Attendez. Attendez, vraiment une seconde, là. Il y a quelqu'un qui dit, il faut nous raconter la vraie chose. Comme ici, Kondi, ce qu'on dit, ce n'est pas une bonne chose. Il faut aller regarder le reste ailleurs. Alors, donc. C'est important. C'est fondamental. C'est important et c'est fondamental. Non, laissez. Quand vous coupez vos téléphones à cause de vos copines ou bien vos femmes, là, vous venez sur le direct, déjà, vous parlez du son, là. Tu dis encore, je te dégage. J'ai déjà dégagé. Alors, donc. Nous, les produits qu'on vous propose, on vous donne une idée, parce qu'on a un direct. Attendez, attendez. Il y a des gens qui viennent ici, ils croient que c'est ici. C'est une plateforme pour eux de pouvoir faire leurs leur commentaires. Alors donc. Quand vous allez voir le médecin, vous lui dites de quoi vous souffrez et le médecin vous dit ce dont vous avez besoin. Ce que je dis ici, c'est une idée que je vous donne. En fonction de l'idée que vous avez, vous laissez un message dans le WhatsApp et puis vous dites exactement ce qu'il y a. Et nous, en fonction de ce que vous dites, on vous oriente. Ce n'est pas un médicament passe partout qui dit qu'on va non. À chaque préoccupation, à chaque souci de santé, il y a une réponse appropriée. Donc, c'est ça qu'il faut garder en esprit. Alors, sans oublier que nous allons parler bien entendu de notre bienfaitrice Batiuniang à travers son œuvre sociale dans les différents secteurs de Bamako à travers ce grand mouvement qu'on appelle Ambico. Nous allons décortiquer, nous allons développer aussi bien Bamako qu'en français. Aujourd'hui le président Assimi Goïta, mais avant de parler du président Assimi Goïta, avant de parler du Niger je voudrais vous présenter la fille de Bazoum. Celle qui parle, et puis on dit Bazoum a parlé. Voilà sa photo. Voilà la fille de Bazoum. Et regardez bien. C'est la fille de Bazoum qui est là. Alors, c'est elle qui parle avec les médias. C'est elle qui parle avec le Guardian, en anglais, avec les médias américains. Donc, donne-moi une seconde. Alors, donc, pour nous, c'est important, c'est fondamental. La fille de Bazoum, c'est elle encore qui est en train de dire que son père manque de tout, que son père mange mal. Que son père ne fait que manger les provisions qu'il a. Donc, le jour où j'ai vu, il y a quelqu'un qui était là, Bazoum a dit, Bazoum a dit. J'ai dit, petit, il faut te calmer. Bazoum a dit, Bazoum a dit. Tu as la preuve que Bazoum a parlé avec quelqu'un Vous vous rappelez Quand je disais que Bazoum n'a parlé avec personne et Bazoum ne parle avec personne, et que personne ne peut apporter la preuve que Bazoum a parlé <laughs> avec quelqu'un. Vous vous rappelez quand je disais ça Keïta ne parle jamais dans le vide. N'en déplaise à mes détracteurs au taré. Aux bouchés, aux attardés, aux handicapés moraux et intellectuels, aux constipés moraux et intellectuels, à ceux dont l'esprit et la conscience sont mélangés et qui ne ressemblent à rien, qui ne sauront rien, qui ne comprendront rien, à ceux qui sont voués à un échec éternel et perpétuel. Quand vous venez écouter, écoutez, pour que Dieu vous délivre à travers son messager que je suis, parce que ici, c'est pas une église, c'est pas une mosquée, mais on délivre les âmes qui sont enchaînées. Dans l'obscurité des ténèbres, dans la confusion maléfique, ici si, je délivre, ici si, je guéris, ici si, je délivre. Venez écouter pour être délivré. Venez écouter pour être sauvé. Venez écouter pour sortir des ténèbres, de la confusion, de la malédiction. Ici si vous le recevez gratuitement, écoutez gratuitement, prenez gratuitement, parce que à vous délivre. Je vous ai dit que Bazoum ne parle avec personne. Je vous ai dit Bazoum a parlé avec Joe Biden, Bazoum a parlé avec Ant Ant Antonio Blinken, Bazoum a parlé avec le, euh, les Américains ont dit que Bazoum a parlé avec eux. Bazoum a lancé un appel euh, qu'on appelle un appel de détresse. Bazoum appelle à l'aide. Je dis c'est faux. Voilà la preuve. C'est elle, la fille de Bazoum, qui parle à, au nom de son père. C'est la fille de Bazoum qui parle. C'est la fille de Bazoum qui parle. C'est la fille de Bazoum qui parle. J'insiste, je persiste et je signe. C'est elle qui parle à la presse. Et on dit Bazoum a parlé. Je vous ai dit que Bazoum ne parlait pas, mais pourtant je ne suis pas dans les confidences du palais présentiel à Niamey. Partagez, faites monter le mercure. Mais le conseil que je vais donner à la fille de Bazoum, c'est d'éviter de s'attaquer à son propre pays parce que le complexe d'infériorité conduit beaucoup de personnes à commettre des erreurs irréparables. Si elle ne sait pas maîtriser sa langue, elle risque de causer des dommages préjudiciables à son père. Je répète. Si elle ne sait pas maîtriser sa bouche, si elle ne sait pas se maîtriser, si elle ne sait pas se taire, elle risque d'apporter des dommages beaucoup plus préjudiciables et à son père et à sa mère. Donc elle n'a qu'à rester dans son petit coin et puis elle n'a qu'à se taire. Quand je dis, vous voyez que Keita il ne parle pas dans l'air. Quand je dis à la vieille femme qui veut s'accrocher à un petit poste d'ambassadrice. Je lui ai dit qu'une personne ne se bat pas contre un État. Tôt ou tard, la France va collaborer avec le gouvernement qui est en train d'être mis en place. Et si elle ne fait pas attention, elle sera jetée dans les oubliettes comme ce petit président au Venezuela s'était autoproclamé. Aujourd'hui, il est dans les oubliettes. Aujourd'hui, cette dame, elle a oubliée. Celle qui, à qui on a donné et, et, comme on appelle le plateau de France 24 pour aller s'exhiber. Celle que Macron a manipulée pour s'attaquer au Niger. Aujourd'hui, elle est aux oubliettes. On ne parle même plus d'elle. Parce que le Niger a décidé de couper toutes les relations avec la France. Et pour parler avec la France, si, Manu, si la tête de Manu marche un peu, s'il y a un peu une petite dose de, de, de bon sens dans la tête de Manu, c'est pas avec elle. Elle n'est plus la représentante du Niger. Manou est obligé de passer par un autre chemin pour parler avec les légitimes représentants du peuple du Niger qui sont au palais. Elle est où aujourd'hui? On l'a oublié. Le petit premier ministre qui était en train de gueuler sur tous les toits. Je suis le premier ministre. Il est où aujourd'hui? Il est dans les oubliés. Aujourd'hui même, même le petit Serge Daniel dit le premier ministre du Niger. Est-ce que vous avez compris? Il y avait j'ai regardé le direct de tv 5 Monde avant de commencer pour moi. Donc, en direct, Serge Daniel était en train de dire « Le premier ministre du Niger !» Alors, est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de dire ?« Premier ministre du Niger !» Que le premier ministre du Niger dit que les sanctions sont comme ça. Après, on va parler de ça, ne vous en faites pas. Mais je suis en train de présenter les deux corps pour que vous compreniez. Donc, aujourd'hui, on dit le premier ministre du Niger. Aujourd'hui, on dit les autorités du Niger. Aujourd'hui, on dit la junte au pouvoir. Aujourd'hui, on dit les militaires au pouvoir. Donc, Alassane, ce vieux président dépassé par les événements qui continuent de rêver. Parce que Ouattara, plus vite tu vas te réveiller de ton sommeil, plus vite tu vas comprendre. Plus vite tu vas te rendre compte de la réalité, plus vite tu seras délivré. Petit Ouattara, de 82 ans. Ouattara dit tentative de coup d'état. Ce vieux-là, il n'a rien compris. Il n'y a plus de tentative de coup d'état. Le coup d'état est consommé. Il n'y a plus de tentative de coup d'état. Le coup d'état est consommé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont produites. Je vais faire le maximum d'efforts. Donc, voilà, c'est, celle-là, c'est la fille de Bazoum, là, voilà. C'est elle qui parle avec la presse. C'est elle qui parle avec les Américains. C'est elle qui parle avec tout le monde. Et puis on dit, Bazoum a parlé. Bazoum lance appel. Bazoum demande de l'aide. C'est faux. C'est sa fille, là, qu'il fait à sa place. Et je vais demander de donner un petit conseil à sa fille une dernière fois. Pour le bien de son père. Dans l'intérêt supérieur de sa famille. Parce que elle risque de compliquer la situation de son père si elle se livre aux yeux des journalistes qui vont la manipuler. Et à la fin, ils vont la jeter. Je lui donne un petit conseil. Je ne la connais pas, elle ne m'intéresse pas, je ne souhaite même pas la rencontrer un jour dans ma vie. Le petit conseil que je lui donne. Quand le regard autour d'elle blesse, comparé, il a été utilisé et puis jeté dans les oubliettes. Ou bien, le maréchal Mobutu Sese Seko a été utilisé, jeté dans les oubliettes. Le maréchal. Idriss Dubi a été utilisé et assassiné. Je lui donne un petit conseil, n'a qu'à écouter. Je pas fini. Le soi-disant président par intérim du Venezuela, il a été manipulé au plus haut niveau des, aux États-Unis. Il a été jeté dans les oubliettes. On ne parle même plus de lui aujourd'hui. Et combien de premiers ministres sont passés à Down Street? En Angleterre, combien de premiers ministres ont été balayés Beaucoup. Depuis Boris Johnson, avant Boris Johnson, Tony Blair, Boris Johnson, euh, la femme là, et puis juste hein, le petit Indien qui est là maintenant. Hey. Combien de présidents la France a connu <laughs> Sarkozy, Hollande, Macron, c'est pas ça mmh. Petite fille, faut te ressaisir. Tu n'as rien compris encore. On va t'utiliser, te manipuler et puis détruire ton père si tu fais pas attention. Barack Obama est passé. C'est pas ça? Hmm. Donald Trump est passé. C'est le vieux Biden qui est là. Jeune fille, il faut faire attention. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Même si l'administration est une continuité, fais beaucoup attention pour savoir où tu Ne livre pas ton père aux ennemis du Niger. Jeune fille, fais très attention. Votre soi-disant, le soi-disant premier ministre de ton papa, il est déjà oublié, on hein? On parle même plus de lui. On va même plus lui poser question parce que désormais, le premier ministre du Niger est reconnu. Désormais, la ministre ou le ministre des Affaires étrangères du Niger est reconnu. Désormais, il n'y aura plus de relations diplomatiques entre la France et le Niger tant que cette femme-là, elle est là-bas. Donc, ne suis mon mon souhait, mon conseil, mais bas la terre dans l'intérêt supérieur de ta propre famille. Pas du Niger, hein? dans l'intérêt supérieur de ta famille. En premier, Bazoum mais ta maman. Donc arrête de te livrer aux petits jeux de la presse internationale. Arrête d'être manipulé. Parce qu'ils vont te presser comme du citron et puis te jeter. Ils vont t'utiliser comme une boîte de conserve. Vider le contenu et puis jeter le reste. Et tu seras celle par qui ton père sera sacrifié. Jusqu'à présent, les autorités gardent un petit respect encore pour ton papa. Sinon, si veulent humilier ton papa, là, tous les dossiers accablants de ton père ont pas fait sortir. Tu fais la grande gueule. Tu oublies que ton père est en détention. Tu fais la grande gueule. Tu oublies que les dossiers sont là. Il Y a des dossiers qui sont qualifiés de secret défense. Il faut arrêter. Il faut arrêter d'être manipulé par des vieux irresponsables tels que Ouattara qui n'hésite pas à poignarder ceux qui l'ont aidé à arriver au pouvoir. Ouattara n'a pas hésité à liquider Ahmed Bagayoko. Ahmed Bagayoko qui cria pour Ouattara, la jeune fille, c'est pour toi que je parle jusqu'à présent. C'est conseil que je donne à la fille de Bazoum avant qu'on commence notre direct. C'est pas ça? Alassane Ouattara, Ahmed Bagayoko a été liquidé. C'est pas ça? Amadou Gonkoulubali a été liquidé. <laughs> Un rico, qu'on a Bédier. Il est parti. Vrai ou faux, liquidé ou pas, je ne sais pas. Gaston Wassena connaît. Hum. Jeune fille, tu t'amuses à la vie. Il <laughs> faut rester tranquille. Ouattara utilise dans son intérêt. Ouattara a manipulé tout ce que je viens de citer. Il a manipulé Bédier. Il a manipulé Ahmed Barayoko. Il a manipulé Gonkoulibali. Ils sont où aujourd'hui, jeune fille Fais beaucoup attention quand tu parles. C'est le seul conseil que je vais te donner ils vont te manipuler, ils vont te têter, et puis ton père sera dans les problèmes. Partagez et faites monter le mercure, c'était le conseil que je voulais donner à la, à la fille de Bazoum. Elle qui se livre au chantage, à la manipulation de la presse occidentale. Elle peut le faire si elle veut. Alors, Moune Albi, Ottaman nkolaan ye kibaruya caman sɔrɔ niger, niger fan fɛ ni ala sɔn a ma nansaraka ni bamanaka an b'u do ɲɔgɔnna purk an somɔgɔw kase k' niyɔrɔtasɔrɔ an kakumawla munnu fnɛ n bkka no ye nir ni e niger, burkina anjamanaɔltaa ukalfasniɔsɔrɔkan Après la rencontre, sur ce qu'ils ont appelé le sommet extraordinaire. Merci beaucoup, Watao. Merci, Kone Alassane. Merci, Watao. J'allais oublier Watao. Alors, après le soi-disant sommet extraordinaire de la CDAO, il y a eu beaucoup, il y a eu un tremblement de terre, je ne pas dire, il y a eu un séisme politique. Il y a eu un séisme politique. Un séisme politique. En d'autres termes. Tous les présidents de africains, tous les présidents de la CDAO qui se sont opposés. Macron a décidé de pomper des milliards dans le trésor ivoirien. Écoutez bien, Chris Yapi, il a fait ses enquêtes, mais il n'est pas le loin. Moi, je vais au loin plus que Chris Yapi. Je vous l'avais déjà dit, des milliards ont été pompés dans le trésor ivoirien, dans les comptes d'opération du trésor ivoirien à travers la BCAO, qui elle-même a été fournie directement à partir de Paris, de l'Elysée. Donc, ces milliards qui ont été pompés, puisque, <laughs> bon, continuez d'écouter, continuez de partager. Alors, qu'est-ce sest passé? Il y a des chefs d'État-major qui sont passés à la caisse en Côte d'Ivoire, le Bénin, et la Guinée-Bissau. Parce que le Bénin était réticent. Donc le chef d'état-major des forces armées du Bénin passait en Côte d'Ivoire pour prendre la côte-part de l'armée béninoise. Alors qu'une rencontre devait avoir lieu aujourd'hui au Ghana, est-ce que le chef d'état-major des forces armées du Bénin avait besoin de passer en Côte d'Ivoire hier pour aller prendre sa valise, au lieu de faire direct au Bénin, et au lieu de faire direct à Accra Posez-vous cette question. Ensuite,

ni chokoroba san bishigi anifla wallahi billahi ala yi je akilila men kalini ala toy ala je hakilila ni chokoroba yi chokoroba Languluni, ni ni chokoroba ta yere don ni chokoroba ti ala ni amma Delikake ke slame slame je nyote a big galu fini ta ka don ka mogo billahi ani amma delika ti sra Ah, Djogo, C'est la main. Djogo doit de la main Excusez-moi une seconde, je vais expliquer ça rapidement à mes parents. Kumadobe a foli kuma be Anakira, kakisini nema sama. Kira Mohamed ou solala le wassali. Django d'otumala. Chokman kakumate, ayaka karamoro ou le koumini ni neme galon Bon, Gaston, je vais te donner un petit conseil. Si tu me parles encore de français, au nom de Dieu, je vais te bannir à vie de tous mes directs. À tous mes directs. Si quelqu'un me dit français encore, au nom de Dieu, je bannis la personne à vie. Ayez honte. Vous ne payez rien. Vous prenez gratuitement. Et c'est vous qui voulez qu'on vous donne tout. Depuis quand vous avez appelé pour dire, quel est ton numéro de compte pour qu'on t'envoie un soutien Ayez honte. Vous voulez, je jure au nom de ma mère, même si c'est une seule personne. Tous ceux qui vont dire français, je vous bannis tous. Même si c'est une seule personne, je fais mon direct à la personne. Ayez honte dans la vie. Vous ne tenez rien. C'est vous qui dites français. Si vous m'énervez, si je parle encore français, vous allez me dire chien. Si vous m'énervez, je fais tout mon direct en bambara tout de suite. Regardez-moi des gens comme ça là. Vous ne payez rien, c'est vous qui venez français. Parlez encore. Parlez encore. Je vais vous montrer qui a mis l'eau dans le Coco. Et regardez-moi ces conneries comme ça-là. Et rentre dans votre vie. Vous ne donnez rien, c'est vous qui voulez imposer quelque chose. Vous ne donnez rien, c'est vous qui demandez quelque chose. Il faut donner d'abord <laughs> avant d'exiger. De, Alors donc, Alassane Ouattara, à Bafoua, ma caille Slamet. u ye ɲɔgɔn ye kɛ nijeriya donko a ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u y'a yira ko tiɛ yɛrɛ la nigɛri ye an dɔ de an be se ka wili nigɛri kama cogo di kan be ta nɛk Niger... ka ta nigeriya faga ko jagoya ko ka presanɔn wili k'i jɔ i cɛsiri ɲinɛ sedeya kɔ -ko. mɛ kuma ni sedeya tɔgɔye eh, nigeria Niger présan o toye wili i yɛrɛ k' kɛ i mago bɛ fɛnfɛla ika musaa ɛɛ fɛfɛmaɛo de ' to alasan kɔrɔtɔla a sela yɔrɔni mina codivoire donc

Qu'on n'a pas de bol là. Parce que qu'on n'a pas de bol là. Nous, c'est là qu'à Niger sur la pousse, ça veut dire y Niger là. Au bout, il y Malima. Qu'on n'a pas de bol Mali, il va y avoir quand on sera si bien à l'île, les 46 ou les 49 mercenaires qui ont été arrêtés. Il ne pardonne pas, il n'oublie pas, il est rancunier. Ateignez le coco. Ateignez le coco. Donc, attendez, attendez, donne-moi une seconde. Si tu viens ici pour me dire français, logique que tu vas payer la hauteur de la France. Donc, bibimna, Alassane la mangine, à simier femkala, Asimye ivaron, mélanie mga voilà wallahi, anime macron, ou kodo kodori la bêta.

mboloku, ambe wuli kou kedeke. Kou kedeke. Alasan wateray asidi de. Alasan wateray yengo de. Alasan wateray jon kounan go de. Alasan wateray prezdan ni djougou de. Ala djougou de. de do. Slamè wou djougou de do. Dile nyouman bè djougou de do. Don, amba don ala barkala alat nan nigerke alasan ni makron savoui. Paske mou mi kono niger dronte, kore mou kono kateme nigerka. Oubeka sela denye ni nijer oube sekana mali la chogo mena. Nouye sela solon nijer oube oubo nyeshi mali man. Dokta fuyen. Ou do orote nijer. Mali beka wili ka ala delike alasan kama. Beki ta kolo shi sama. Beki ta dwa ouke. Ta kada bo soma ouman. A oubise yo ka soma ya muna. A yo che sila alasan kama. Ta disla me dine nyo mongo wele.

Donc pour revenir au peuple du Niger, quand vous écoutez attentivement la déclaration d'Alassane Ouattara, dans sa déclaration, il dit tout ce qui peut arriver au président Bazoum et à sa famille. Les militaires au pouvoir seront tenus pour responsables. Donc Alassane Ouattara reconnaît déjà d'emblée, avant qu'ils ne lancent leur opération, ils savent déjà que Bazoum, si l'opération est lancée, Bazoum va passer. Il le sait. Donc la fille de Bazoum qui sort pour faire la grande gueule, elle n'a qu'à bien réfléchir. Nous, on vient leur dire, Alassane vient de le dire, il dit, si on lance l'opération, Bazoum va mourir dedans. Donc, il sait que Bazoum va mourir. Il sait que... Ba... Donc, Bazoum, si tu es bête, là. Voilà, si tu es bête, là. Il faut faire le jeu de la France et puis de Ouattara. Ouattara vient de dire tout de suite devant tout le monde que tout ce qui va arriver à Bazoum... Alors, comment vous pensez... Regardez comment il y a la contradiction dans le communiqué de Ouattara. C'est pourquoi on peut pas aimer Keïta. Parce que Keïta a une idée claire et nette. Et Keïta, il a l'esprit de discernement, d'analyse, de compréhension. Il va au-delà du physique, il pénètre dans ce que vous appelez la métaphysique pour décortiquer et puis faire sortir ce qui est caché. Vous ne pouvez pas dire, nous voulons que vous installez Bazoum au pouvoir, donnez-lui ses pleins pouvoirs, bla 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 bla. bla, bla. On va lui demander d'être un clément, un maudit comme ça, président irrationnel, incapable, indigne. Toi-même, là, est-ce que depuis Bédié jusqu'à sa mort, il t'a demandé pardon de libérer les prisonniers politiques Toi, tu les as libérés Toi, tu as libéré les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire Bédié t'a demandé pardon jusqu'à ce qu'il meure. Bagot, tu demandes pardon depuis qu'il a été acquitté jusqu'à aujourd'hui. Tu as libéré quelqu'un Et c'est toi qui dis, on va dire à la CDAO, avec ton œil apostrophe là. Tu es malade, bat à soi, va te soigner. Tu peux même pas parler. Tu es étouffé quand tu parles. Tout le monde a vu ça dans ton communiqué. Pendant que tu parles, tu t'étouffes. Mais je n'en veux pas à Ouattara puisqu'il n'a pas une équipe de communication assez efficace. Sinon, il y a un système. Il y a des gens de micro qu'on donne à Ouattara pour réduire au maximum les bruits. On peut réduire. Moi, je vous donne un exemple. Hier, il y avait tellement de bruit devant ma porte. Moi-même, moi, j'ai écouté le direct. C'était un peu gênant. Mais vous avez vu que le système que j'ai mis a réduit considérablement les bruits. Mais pourtant, c'était abasourdissant. C'était très gênant. Et je me suis posé la question. Mais comment j'ai pu faire le direct avec vous Tellement le. Ils étaient juste devant ma porte. Ils étaient en train de boum boum, Mais moi, j'étais souvent, mais mon fils venait me regarder, il était étonné de voir que j'arrivais à faire le direct, mais vous avez, il y a très peu de bruit qui ont pu passer. J'ai filtré au maximum. Mais Ouattara, vous pouvez voir que Ouattara s'étouffait. Il parlait et puis s'étouffait. Voilà quelqu'un qui est au bord de sa tombe, mais qui ne cherche pas à faire le bien. Quelqu'un qui est au bord de sa tombe, qui ne fait pas le bien, qui ne fait que, tout ce qui est dans sa tête, c'est la guerre, mais il n'y a pas de problème, ne vous en faites pas. Alors, peuple du Niger. Emmanuel Macron, après la réunion, Patrice Talon, qui a hésité, ils ont demandé que Patrice Talon passe à la caisse. Oumarou Ambalo, si ce qu'on a demandé, qu'il passe à la caisse. Macky Sall, lui, directement à partir de la BCAO de, de chez lui, on dit, il n'y a pas de problème, lui, on peut, on peut le gérer. Mais posez-vous la question, pourquoi c'est chez Alassane Ouattara que tous les chefs d'état majeurs des forces armées, pourquoi maintenant ce n'est plus au Nigeria que les forces et que les chefs d'état des forces armées doivent tenir leur réunion? Pourquoi ce n'est plus à Abuja? Pourquoi maintenant c'est à Accra? Pourquoi c'est à Accra? Pourquoi on a délocalisé d'Abuja à Accra? Peuple digne d'Afrique. Peuple combattant, peuple de Niger. Allah est témoin, et chaque fois avant de commencer un direct, je demande à Dieu de m'inspirer. Alassane Ouattara, il a fait une déclaration de guerre à Abuja. Écoutez bien, je vous en prie, vous ne partagez pas, je ne suis pas content. On devait être à 10 000. Je sais que le chiffre il est bon, ce qui est là. Je ne vais pas dire vous, mais vous voyez ce qui est écrit. Mais pompez encore les cœurs. Partagez. Pour les nouvelles personnes, abonnez-vous à ma page Chekmara Keita et à mon compte euh, euh, YouTube Chekmara. YouTube, c'est Chekmara. Abonnez-vous là-bas. Et puis sur ma page euh, Facebook, c'est Chekmara Keita. Abonnez-vous, suivez-nous, aimez la page et puis euh, actionnez la cloche de notification. Partagez au maximum. Partagez. Je vous donne encore quelques secondes de partager. Parce qu'il y a des bombes qui vont descendre tout de suite. Peuple du Niger écoutez-moi, je vous en prie. Mali Mali, et Atleomada, Mena Kubara doit dire que l'Olaminga Boa Kilima, Peuple du Burkina, partagez, partagez, attendez, il y a un maudit qui est là, qui doit partir. Nous, on n'a pas, on n'a pas le temps pour toi. Alors donc, merci. Alors, Maintenant, partagez, faites monter encore le mercure. Merci beaucoup, Abdoulaye Diaré, merci beaucoup. Du côté du Niger, merci infiniment. Merci, merci. Alors, je reviens maintenant. C'est au Nigeria que les chefs de major ont fait leurs deux rencontres. Le Nigeria étant le pays qui est à la tête de la CDAO. Et le Nigeria de plus, c'est le siège de la CEDEAO. Alors comment se fait-il qu'un pays comme le Ghana, mais entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a grand-chose Ah, j'allais oublier, c'est Nana Koufo, N'oubliez pas. C'est ce même président du Ghana, au moment où il était à la tête de la CEDEAO, sous l'impulsion de la France et sous l'exigence de Ouattara, le Mali a été frappé de sanctions inhumaines, illégitimes, irrationnelles, incongrues. C'est le même président du Ghana, Nana Addo Akufo. Et aujourd'hui, comment comprendre qu'après la rencontre de la CDAO, Alassane Ouattara se précipite en Côte d'Ivoire pour donner lui-même une autre communauté qui n'a rien à voir avec ce qui a été dit. Posez-vous cette question. Pourquoi Alors, vous comprendrez maintenant que il y a des gens qui disent que on veut toujours accuser la France, on veut toujours accuser la France, on veut toujours accuser la France. Moi, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi Ouattara, comme les autres présidents, ne s'est pas limité à la déclaration commune de la CDAO. Y avait-il urgence où y avait-il? Ah, j'ai oublié que son papa, Emmanuel Macron, le vieux de 82 ans, a un père qui a 40 ans. Emmanuel, a il a 40, combien? Emmanuel a combien? 42 ans? Il n'y a même pas 45 ans. Regardez, Emmanuel Macron, lui, il a, il a le double de l'âge d'Emmanuel Macron. Il a le double de l'âge d'Emmanuel Macron. Alassane Ouattara. Le double de l'âge d'Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron est son père. Alors, Emmanuel Macron lui dit, j'ai écouté. Je vous jure que si vous écoutez la presse française aujourd'hui, je vais voir. Je ne sais pas si j'ai ça avec moi. Si vous écoutez la presse française aujourd'hui, vous avez, vous avez envie de mourir. Si vous écoutez la presse française aujourd'hui, oh, malheureusement, je n'ai pas ça. Si vous écoutez la presse française aujourd'hui, vous avez envie de mourir. La France dit on ne peut pas accepter de perdre 42 ans. Ouattara a 82 ans. Macron a 42 ans. Ouattara a 82 ans. Je n'ai pas confirmé. Je dis il a quel âge, Macron 42 ou 45. Donc, quand les gens parlent, je vous en prie, essayez. Et comprenez quand même quand les gens parlent, Madouba, il faut écouter quand les gens parlent. Alors donc, il a 42 ans. Alassane Ouattara a 83 et 82, il va dans 83. Donc au moins le double de l'âge de Macron. Le double de l'âge de Macron. Alors donc, je continue. Vous voyez, la presse française dit aujourd'hui. On peut pas accepter d'être chassé de l'Afrique. Sinon, c'est notre mode de vie qui est détruit. Wow. Notre mode de vie. On a besoin de leur sous-sol pour nos entreprises. On a besoin de leur matière première pour notre énergie. On a besoin. Donc, on doit les maintenir dans la pauvreté la plus absolue pour mieux les dominer, pour mieux les voler. Voilà ce que dit la presse française aujourd'hui. Et ils disent c'est si la CDA n'intervient pas, la France même doit intervenir militairement. Donc aujourd'hui, la question c'est ce que je vous ai dit hier. La question n'est pas la question n'est pas tant de réinstaller Bazoum au fauteuil. La question n'a rien à voir avec un gouvernement démocratiquement élu. La question n'a rien à voir avec le retour à l'ordre constitutionnel, mais plutôt une question de géostratégie, aussi bien politique, économique que militaire. Les trois raisons géostratégiques, économique, politique, militaire. Donc il faut pas tous les moyens contraindre le Niger à ne pas se tourner vers la Russie. Alors, moi, je voudrais interpeller les autorités du Niger. Je voudrais interpeller le général Abdur Abdraman Tiani de commencer dès à présent à demander au groupe paramilitaire de sécurité Wagner de venir incessamment au Niger rapidement, demander au groupe paramilitaire Wagner de venir au Niger pour non seulement sécuriser le pouvoir mais les aider à combattre toute agression parce que n'oubliez pas pourquoi je dis pourquoi je demande à Wagner parce que aujourd'hui le Nigeria se trouve être bloqué donc légalement le président Tilibou ne peut plus il est bloqué à tous les niveaux au Nigeria. Et comme Tinubu ne peut plus, Macron est rentré dans tous ses États. Ils ont traité Tinubu de tous les noms. Il a demandé à Ouattara de prendre la relève rapidement. Et il a demandé à Ouattara de mettre tout de suite euh, une équipe d'intervention rapide au Niger. Et la France veut une intervention rapide parce que plus ça va durer. Plus le Niger, il sera pratiquement impossible de faire partie des militaires. Donc, la France demande une intervention rapide pour que ces éléments qui sont stationnés déjà, les 1500 soldats qui sont déjà sur le territoire du Niger puissent se mêler. Donc, la Guinée-Bissau qui n'a même pas les moyens décide finalement, d'après les dernières informations, la Guinée-Bissau, il semblerait qu'elle dit qu'elle peut. Le Bénin, il semblerait que Patrice le mouillard, il dit qu'il peut. Voilà ce qui est intéressant et fondamental dans cette crise. Voilà ce qui est fondamental et important dans cette crise. L'Algérie a interdit le survol de son espace aérien. Le Togo a interdit le survol de son espace aérien. Le Tchad a interdit le survol de son espace aérien, y compris la Libye dans tous les cas. Donc aujourd'hui, il est quasiment impossible pour le Sénégal, parce que le Sénégal pouvait passer par le Tchad et puis venir rapidement longer la côte, l'Algérie, et puis rentrer. Je ne sais pas comment ils allaient faire, mais en tout cas aujourd'hui, la mise en, en œuvre de leur plan aujourd'hui est quasiment vouée à l'échec. Il sera pratiquement impossible de survoler l'espace aérien du Togo. Parce qu'il va falloir faire le compte. Quand on dit espace, c'est pas seulement le pays, hein. Le Bénin, et le Bénin, le Togo a une frontière à un espace maritime. Faut pas oublier ça. Le Togo qui fait face à la mer, le Togo a un, donc si le Togo dit non, c'est aussi bien euh, le territoire, euh, Comment on appelle le territoire euh, 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 physique en tant que euh, territoire que vous connaissez, là où on vit, aussi bien le, euh, euh, là où on réside que l'espace maritime. Donc il faut contourner jusqu'à aller dans les eaux internationales, contourner le Togo pour aller au Nigeria. Mais attendez, ils vont enlever l'argent de quel là-haut. Donc, ils veulent passer, même s'ils passent par la Côte d'Ivoire, il peut pas rentrer directement au Niger par la Côte d'Ivoire, il faut passer par le Burkina, ce n'est pas possible. Maintenant, il faut regarder du côté du Ghana. À partir d'où Donc il faut revoir tous les plans. Tout ce qu'ils avaient fait au départ, ils sont obligés de tout revisiter. Ça c'est un premier point. Deuxièmement, en plus du Togo, du Tchad, c'est ce qu'on a appris de façon officielle, mais on ne sait pas, parce qu'il y a des avions qui décollent quand même du Tchad pour venir à Niamey. Des avions français qui décollent du Tchad. Bon, peut-être que le Tchad a pris la décision récemment, je ne sais pas. Peut-être que le Tchad a dit non, parce que ça fait deux fois que Niamey dénonce l'attitude du Tchad. Et donc le Tchad doit prendre ses responsabilités et dire non. Donc, maintenant, on revient. Ça, c'est le Tchad, c'est hypothétique, mais on peut... Le Togo, l'Algérie, le Tchad, je crois qu'il y a un autre pays, ils disent non, leur espace aérien ne sera pas survolé. Ce n'est pas tout. Il y a une autre information de L'Union africaine, le Conseil de sécurité de l'Union africaine et les 15 membres devaient se réunir. Parce que ce... n'oubliez pas que le Tchadien qui allait, le président de la commission de l'Union africaine. Il allait dire l'Union africaine condamne. Oui, le principe de condamnation, tout le monde peut comprendre ça. Mais donner carte blanche à la CEDEAO d'intervenir au Niger, l'Union africaine ne l'a pas accepté. J'ai lu un document qui dit que l'Union africaine, j'insiste, l'Union africaine, le Conseil de sécurité de l'Union africaine, ça n'a pas fait grand bruit parce qu'on ne voulait pas que vous soyez au courant. Allez vous informer. Allez sur le site de l'Union africaine. Allez encore plus loin et puis chercher à savoir. L'Union africaine n'a pas accepté. Le Conseil de sécurité de l'Union africaine a refusé de donner carte blanche parce que Alassane Ouattara est en train de travailler dans le noir, en violation de toutes les procédures internationales, en violation de toutes les dispositions internationales. Et comme c'est son habitude de violer la loi comme c'est son habitude de violer la constitution de l'État de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, avec le soutien de Macron, veut violer tous les principes élémentaires du droit international. Un, le Conseil de sécurité et le Conseil de, le Conseil de paix, pardon, sécurité et paix de l'Union africaine, j'allais oublier, le Conseil de sécurité et paix de l'Union africaine refuse de donner faveur à la CDAO pour intervenir au Niger. Parce que pour que la CDAO puisse intervenir militairement au Niger, il y a un certain nombre d'étapes. Il y a des échelons à franchir. La CDAO était la première étape, donc ils ont voté. La deuxième étape, c'est au niveau de l'Union africaine. Et la dernière étape, c'est au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est clair. Aucune organisation sur régionale ou continentale ne peut entrer en guerre contre un État membre des Nations Unies sans que le Conseil de sécurité des Nations Unies ne soit saisi. Mais ce qu'ils veulent faire, en fait, ils veulent mettre le Conseil de sécurité devant le fait accompli. Ils veulent attaquer, ils veulent agresser et puis ensuite aller présenter la situation devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils veulent se comporter comme les Américains l'ont fait avec l'OTAN lorsqu'ils ont agressé un certain nombre de pays. Voilà ce qu'ils veulent faire. Quand les Américains sont allés agresser la Syrie, l'OTAN, ils n'ont pas eu l'OTAN, ils n'ont pas eu le cultus des Nations Unies. Donc, ils veulent aller, et c'est ça que la France met en avant devant le vieux irresponsable et criminel Alassane Ouattara. C'est tu sais, quelque chose qui n'a jamais été fait en Afrique. On veut engager la CEDEAO, dans un conflit armé, sans l'autorisation et de, 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 du Conseil de sécurité des paix de, de l'Union africaine et sans le cutus du Conseil de sécurité des Nations unies. Donc, Ouattara et Macron veulent organiser cette guerre au Niger au mépris des règles élémentaires, au mépris du droit international. Voilà encore d'autres éléments. C'est pourquoi le président Tiani, le général Abdraman Tiani, il est en négociation. Je ne dirais pas réellement négociation, mais tout ce qu'il fait, il tient le colonel Asimi Goïta informé. Tout ce qu'il fait. Il a envoyé des émissaires aujourd'hui à Koulouba pour parler avec le président Asimi Goïta. Et du Mali, ils vont directement au Burkina pour parler avec le capitaine Traoré. Dans tout ce qu'ils font, le Mali est, haut, est informé. Chaque évolution, chaque étape de la situation, le Mali est tenu informé. Le Burkina est tenu informé. Parce que le Mali a décidé de fournir. Et la Russie a dit, si tel est le cas, parce que la Russie a averti, si vous voulez faire cela, les gens s'amusent avec Poutine. Quand Poutine leur a dit de faire attention par rapport à la Syrie, ils n'ont pas écouté. Le jour que Poutine est entré en danse en Syrie, parce qu'ils étaient sur le point de renverser le pouvoir de Bachar al-Assad, le jour que Poutine est rentré en danse en Syrie avec les forces armées russes et la société paramilitaire Wagner, les données ont changé sur le terrain. Le jour que la Russie est entrée en Centrafrique, ainsi que Wagner, les données ont changé. Aujourd'hui, la Russie dit fait attention. Parce que si nous intervenons militairement, ce sera fini pour toujours et à jamais pour la France. Parce que moi, je le dis, le Niger sera le tombeau et le cimetière de tous les soldats français qui sont au, au Niger. Si jamais la France veut entrer en conflit armé avec le Niger. Je vous jure qu'il y a déjà. Mais écoutez, c'est entre le Niger et puis la Russie. Vous croyez que Poutine, pour remplir les cargos russes, d'équipement, de, so euh, de, de, de soldats et de Wagner, vous croyez que ça va poser les... et il suffit que Poutine <laughs> demande à deux cargos militaires, trois pardon, sinon deux cargos militaires, vous avez quatre cargos militaires, deux au Mali, deux au Burkina. Atterrissez tout de suite avec tout ce dont le Mali et le Burkina ont besoin pour appuyer le Niger. Mais c'est en l'espace de 24 heures qu'on aura tout ce qu'on veut. Nous, chez nous, il n'y a pas à faire des espaces aériens qu'on va négocier avec quelqu'un. Nous, on marche et puis on rentre au Niger et puis on les attend de depuis ferme. Nous ne voulons pas cette guerre. Mais cette guerre-là, une chose est certaine. Alassane Ouattara dit que si il dit, au cas où les militaires vont refuser, au cas où le général Tani refuse, s'il si lance les opérations, Alassane Ouattara dit ouvertement que Bazoum sera tué et que sa femme aussi sera tuée. Donc, moi, je voudrais que Bazoum, vous, les anciens partenaires de Bazoum, là, les anciens ministres, vous qui êtes en fuite, là, vous qui êtes cachés à Niamey, vous qui m'entendez, vous qui m'écoutez, si vous avez un moyen pour dire à Bazoum de signer sa démission, là, et puis se mettre à l'abri, c'est mieux pour lui. Parce que je jure que si Alassane Ouattara il a dit, et ce monsieur était criminel, Ouattara n'a pas hésité à sacrifier 3000 Ivoiriens pour aller s'asseoir dans un fauteuil présentiel. Et il n'a jamais reconnu sa participation. Il n'a jamais demandé pardon au peuple de Côte d'Ivoire jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et tout ce qu'il dit, les Ivoiriens sont en paix. Est-ce que vous êtes en palabre avec quelqu'un Nous, on est en paix, on n'a pas besoin de réconciliation. Après avoir tué plus de 3000 Ivoiriens, c'est l'ouest de la Côte d'Ivoire qui a payé le prix lourd tribut. Man, dans Danané, ils ont fait un procès lapidaire, un procès expéditif pour mettre le soi-disant Ouréni ou bien Ouréni. On l'a arrêté, on l'a condamné. Mais il n'a été que le bouc émissaire. Mais c'est le conné Zakaria. C'est le Luceni qui donnait les instructions qui étaient sur le terrain. D'ailleurs, c'est le Luceni qui était là-bas, à l'ouest le même le CENI qui est aujourd'hui officier supérieur dans l'armée de Côte d'Ivoire tous les massacres il a assisté à tout alors la CPI jusqu'à la date d'aujourd'hui est incapable d'interpeller est Zakaria et toute la clique et la claque là qui ont tué les ivoiriens donc peuple du Niger moi je, je sais que Ouattara nira, Ouattara il ne va pas reproduire l'histoire comme en 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire tuer Autant parce que Ouattara tue là, tue là, la vue du sang humain c'est ça qu'il aime, c'est ça qu'il apprécie, c'est ça qu'il adore, c'est ça qu'il vénère, parce que les les je sais pas les démons qu'il vénère là, c'est avec le sang et il a besoin de tuer au Niger pour consolider son pouvoir. Ça aussi, c'est une révélation que je suis en train de vous donner, peuple du Niger. Parce que qu'Alassane Ouattara, il a l'intention d'aller pour un quatrième mandat. Et il a besoin de sacrifices humains. Il a besoin de sang humain. Donc, faire une guerre au Niger lui procurera ce sang humain, puisque c'est lui qui va initier. Ses... Il dit ce n'est pas une affaire de, de Nigeria, mais c'est une affaire de la CDAO. Mais si c'est une affaire de la CDAO, pourquoi lui ne s'est pas limité à la seule déclaration de la CDAO à Abuja Pourquoi avait-il besoin de faire une autre déclaration donc maintenant, il a revêti son costume de rebelle, de criminel, de chef de guerre, comme on l'a dit, comme on l'a toujours démontré à travers nos interventions. Maintenant, il est prêt à massacrer mes peuples du Niger. J'ai une bonne nouvelle pour Ouattara. Ouattara, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu crois que la manière dont tu as tué les Ivoiriens, 3000 pour aller t'asseoir dans un fauteuil présentiel, sans jamais accepter et reconnaître ta part de responsabilité dans le crime que tu as commis. Parce que Bagbo Laurent, vous étiez deux. Il est parti à la CPI, il a été libéré. Mais toi... Qu'est-ce qui s'est passé à la Sarawatara? Tu n'as pas, la CPI ne s'est-elle pas intéressée sur ton cas? Tu n'as pas fini de régler cette histoire. Je demande aussi aux ONG du Niger de commencer à préparer des dossiers, des documents de la CPI contre la CDAO. Parce que la CDAO a été complice du meurtre et de l'assassinat des 3000 Ivoiriens. Parce que la CEDEAO n'a jamais été interpellée devant une juridiction internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. J'interpelle les juristes nigériens, j'interpelle les ONG au Niger de commencer à saisir les juridictions compétentes à la matière. Contre Alassane Ouattara, contre le président du Nigeria, contre la CEDEAO, s'il y a eu une tentative d'agression du Niger. Parce que Babo a été arrêté, on a vu que Babou a été innocenté. Mais Ouattara n'a jamais été inquiété jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc, nous exigeons du peuple du Niger, j'exige des autorités compétentes du Niger, j'exige du ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice du Niger, de prendre toutes les dispositions utiles, toutes les dispositions légales et constitutionnelles pour saisir la Cour pénale internationale en cas d'agression. Et toute personne qui sera, parce que Ouattara, il le dit déjà devant tout le monde. Il dit, ce sont les militaires qui seront tenus responsables. Donc, il faut anticiper. Lui, il dit, ce sont les militaires. Mais voilà un vieux idiot qui dit, les militaires. Mais attends, est-ce que tu es obligé de faire la guerre à quelqu'un? Est-ce que tu es obligé de tuer quelqu'un pour mettre quelqu'un là? Depuis quand on a vu même deux personnes qui se battent, et puis on va tuer l'autre. On dit, c'est à cause de toi. Vous avez coupé l'électricité, vous dites, c'est à cause des militaires. Vous avez émis des sanctions, vous dites ça à cause des militaires. Mais est-ce que vous êtes obligé de passer par là? Est-ce que vous êtes obligé d'aller aussi loin? Mais j'ai écouté des gens aujourd'hui, et même aujourd'hui, euh, les Américains commencent à se poser des questions, les Occidentaux commencent à se poser des questions. Ils disent, mais attendez, pourquoi on n'a jamais donné la parole aux militaires au pouvoir au Niger? Pourquoi on ne leur a jamais donné la parole? Mais quelqu'un a fait une, une une remarque importante, il dit... L'opération militaire qu'ils veulent mettre en place, en fait, Bazoum sait beaucoup trop de choses sur la France. Bazoum sait beaucoup trop de choses sur la déstabilisation du Burkina et du Mali. Bazoum sait beaucoup trop de choses. Donc, il faut faire tout pour liquider Bazoum. Voilà pourquoi Alassane Ouattara avance l'idée de la mort de Bazoum avant même que l'opération ne soit lancée. Et moi, je pense qu'une opération, quand vous la lancez, l'objectif, c'est de garantir d'abord l'intégrité physique du président Bazoum, que vous voulez forcément réinstaller au pouvoir. Mais déjà, toi, tu dis que s'il meurt, c'est la faute des, des militaires. Donc, en d'autres termes, l'opération, ce n'est pas une opération de sauvetage, mais c'est une opération d'assassinat. On veut assassiner Bazoum parce que Bazoum en sait trop. Alors, sa fille idiote qui sort, vous dit des bêtises là, elle ferait mieux de bien réfléchir. L'opération n'a pas pour objectif de sauver Bazoum. Sinon, pourquoi Alassane Ouattara déjà avancerait l'idée de, de la mort de Bazoum sans que l'opération même ne soit lancée donc en réalité, ce n'est pas une opération de sauvetage, c'est une opération d'assassinat ciblé. Parce qu'on dit que Bazoum sait beaucoup trop de choses. Bazoum était la main de la France, les yeux de la France, les oreilles de la France. Bazoum était la main que la France utilisait pour orienter les terroristes vers le Mali et le Burkina. Donc tuer Bazoum, c'est protéger Paris. Mais vous savez pourquoi je crois à ça que l'objectif n'est pas de sauver Bazou, mais de le liquider. Vous savez pourquoi je crois à ça? Partagez, je vous en prie. Peuple du Niger, je vais vous dire pourquoi. Allez prendre la dernière sortie du, de, du président capitaine, euh, Traoré, sur la situation de la guérisseuse au Burkina Faso. Actuellement, il a une, il a une vidéo qui circule beaucoup. Je vous fais, oh là là. Bon, c'est pas un souci. On vient le temps d'aller mettre le groupe électrogène en marche, on risque d'être un peu dans le noir. C'est vrai qu'on on a repris euh, avec euh, notre, euh, comment dire ça, avec notre, euh, on vient de nous mettre un peu dans le noir. J'ai pas envie d'aller mettre le groupe, comme c'est pas une connexion automatique, on va euh, soir un peu le dire dans tous les cas. Ne vous en faites pas. Demain on va revenir pour mieux développer pour mieux décrypter, pour mieux analyser. Ce n'est que partie remise. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée et une charlotte demain, on va décortiquer. N'oubliez pas que nous avons désormais un partenaire qui s'appelle Ambico avec Nyang Batuli, une dame généreuse, une dame au cœur vraiment généreux. Nous allons parler de ses actions sociales, nous allons parler d'elle, nous allons parler surtout de ce qu'elle fait pour euh, pour le moment pour euh, je dirais euh, la capitale bamako elle a des grandes ambitions pour le mali elle a des grandes ambitions pour la jeunesse elle fait beaucoup donc c'est notre partenaire avec qui désormais nous allons marcher nous allons vous déployer sinon vous donner tous les détails sur euh, ces grandes ces grandes actions sociales à travers la ville de bamako et puis n'oubliez pas aussi notre euh, euh, partenaire, monsieur Sanogo, un hein, Suleiman Sanogo, par rapport à son produit, Damsa, que nous allons vous proposer, nous allons décortiquer en long et à large. Sans oublier que nous sommes dans la guerre de la communication par rapport à ce qui se passe au Niger, au Mali et au Burkina. Alors, euh, l'RTC vient nous nous lâcher, le temps d'aller mettre le groupe en marche. On va se dire au revoir, et puis on se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour demain, pour une autre directe. Pour euh, d'autres informations. Mais, mais il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu dire compte tenu de la situation on ne l'a pas fait. Mais Inch'Allah, demain on va rentrer dans les détails pour vous donner encore beaucoup plus d'éléments explosifs. D'ici là, portez-vous bien et très bon week-end.